regardez-le. Il a perdu sa petite voiture qui a fait rouler sous le frigo. Il a vu qu'il n'arrivait pas. Il a pris une petite cornière en PVC qui traînait pour rallonger. Et même avec ça, t'arrives pas? Attends, papa, il va t'aider. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. Salut les bandits. C'est pas gentil ce qu'on a fait. Eh oui, c'est comme ça, de temps en temps, il faut faire durer le suspense. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Et que tout se passe bien. Voilà. Oh là 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 là. Non mais ils sont hyper... Ils sont méga gros. Ils sont énormes. Oh la vache. T'es sûr que t'avais bien pris tes mesures? C'est des trucs... ça tombe, mais c'est un truc de ouf. C'est des collants, au moins. T'as vu, ils sont énormes. T'es sûr que ça va passer sur le... sur le puce? Ah, il y a des petits défauts, ici. Ah, mince, ouais. Suivez-nous. J'espère que t'as pas fait de faute, hein. J'espère que ceux qui l'ont imprimé, ils ont vu qu'il fallait nous suivre sur YouTube. Ah non, bah déconne-toi, je t'ai fait corriger. Suivez-nous sur YouTube. Tu rigoles? Tu m'as pas fait corriger, hein. Bon, ça va, t'as de la chance, y a pas de fausse. Ça sera sur le capot, il y en aura deux sur les côtés, chaque côté. Et puis après, il y aura le gros logo fini, le tout nouveau. Et là, regardez, le bandeau de pare-brise. Oh, il est chouette. Tadam! Ah, j'allais dire, il est pas centré, purée, j'ai eu peur. Si, si, bah, t'es obligé, en fait, sinon on aurait trop... écarter la police. Ouais, non, mais je pensais que mais tu l'avais donc, pas déroulé entièrement. Blanc, ça fait purée. Et, donc en fait, ça, c'est... Elle est beaucoup plus longue, hein. C'est moi, je vais la couper exprès. C'est ça, c'est le bandeau qui est prévu sur la mousse. C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est chouette. Hein. Mais franchement, c'est de la qualité. Hein. C'est un truc de ouf. Ils sont énormes. Pour Flash, hein. Mmh. Ah la vache. Il est super épais. Mmh. C'est trop bien. Ça va être trop bien collé, ça. Regardez ça, Captain. Enfin, j'ai monté ça. Allez, on range tout ça et puis on fait la suite des travaux. Et on va sûrement monter les stickers. Ouais, okay. Vous voyez le scotch papier là, juste derrière Jérémy. Mais c'est normal parce que j'ai mis les petites baguettes aujourd'hui. Donc pour que ça colle, j'ai collé avec du scotch. J'aimerais avoir du beau temps un petit peu plus longtemps que prévu, en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Ça sent bon la fin, ça, quand tu commences à mettre les stickers, c'est que c'est bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Regarde les autocollants qu'on a reçus. T'aurais pu les allumer. Hein. Regarde. Ça, c'est le cadeau à fin de famille, ça. Et conneries. Non, c'est pas un cadeau, faut qu'on leur rende. C'est vrai? Bah ouais, faut pas les casser. Hein. Regarde, c'est les miennes maintenant. C'est les miennes. Suivez-nous sur YouTube et regardez le petit bandeau. Captain. On sur les yeux. À l'endroit, ça serait mieux. Sur le pare-brise, ça va cacher la mousse. Et oui, nous allons cacher la mousse, enfin. Je vous avez été des centaines et des centaines de millions à nous le dire. Et oui. Et si nous sommes aussi célèbres, c'est grâce à nos lunettes. C'est tout. Pas vrai? Pas vrai? Il est à la classe, papa, ou pas? Regarde-moi droit dans les yeux. Vas-y. Quoi? Voilà, exactement ça. On a vraiment l'air de rien avec ça. Hop, allez, c'est parti. Je peux faire ça. En route, mes petits bandits, nous nous remettons au boulot. Je mets l'échelle et je mets tout. Non. J'ai vu ça dans une série télé. Non. Allez, c'est parti, mon kiki. En route, ma poule. Les The Valorian Fire seront bientôt sur la route et vous pourrez les suivre sur YouTube, de plus en plus nombreux. T'as vu, ils sont bien, ils sont qualitatifs, hein, ouais, tu trouves pas? Est-ce que tu trouves pas qu'ils sont qualitatifs, ces autocollants que nous venons de recevoir par la poste? Ils sont épais. Ben oui, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te répéter. Eh, franchement, moi je dis ces autocollants. Excellent. C'est à moi, t'as pas le droit de le dire. Perfecto. C'est à toi ça? Oui. Tu l'as inventé? Oui. Et nous, on a le droit de le dire? Non. Perfecto. Perfecto.
Ok, excellent. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now from the beginning. Hit it, boys. From the beginning. Alors? Waouh! Magnifique! On voit des petites bulles encore? Ouais, il y a des petites bulles encore. Ça vous plaît? Ah, c'est chouette, hein? Ouais, c'est super beau. Yaya, ça te plaît? Hein, regarde Yaya, est-ce que c'est joli? Autocollant? C'est pas bien ce qu'on a fait d'avoir fait durer le suspense. Hein. Mais si vous nous avez suivis sur Instagram, vous avez vu en avance ce que c'était cette petite surprise qu'il y avait dans le carton. Et oui! Salut à tous! Alors, j'avais bien oublié ma bassine sur le toit en fait. Hein. Donc là, je vais finir de nettoyer mes panneaux. Je me dépêche avant qu'il fasse trop de soleil. Je l'avais fait hier soir, j'ai envie de finir. Je les ai pas nettoyés une seule fois depuis qu'on les a montés. C'est pas bien. Donc bah, je vais les nettoyer vite fait. Je vais faire ça avec un petit manche, là ça va être plus pratique. Ça me permettra de rester au milieu aussi. Parce que là ça va, il fait beau, tout ça. Mais en hiver, quand il faut nettoyer les panneaux, je ne veux pas m'amuser à venir marcher sur les côtés, c'est trop dangereux. Donc si je peux tout faire juste ici, j'arrive à tout nettoyer, après je descends à l'échelle, je me remets là-bas, et je peux faire pareil pour les autres côtés, ça peut être bien. Ou alors comme ça, là, comme ça va en fait. Vous voyez ? Je crois qu'un panneau qui est sale de mémoire, ça doit être dans les 20 ou 30% d'efficacité en moins. Hein, si je dis pas de bêtises, attention, hein, là je crois, je suis pas sûr. Et ça m'étonnerait pas en fait. Hein. Et là, avec le boulot qu'on a eu, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, tout simplement, j'ai pas pris le temps quoi. Je vais trouver quelque chose de mieux pour nettoyer. Ouais. Allez, on se retrouve en bas. On va se faire un petit bilan de ce qu'il me reste à faire parce que ben, c'est mardi prochain, on a le contrôle technique et l'adréal, donc ça commence à avoir un petit peu la pression là. Donc je vais vous faire un petit bilan de ce qu'il me reste à faire et je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, j'ai pas mal de petites bricoles à faire. J'ai reçu des petites bricoles aussi à genre les ampoules de compteur, faut que je les change, il y a pas mal de petites choses. On a vérifié les feux, vous avez vu juste avant le live, on avait vérifié tous les feux dimanche. Donc ça c'est OK. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai 2-3 bricoles pour le contrôle technique. Donc bien à vérifier parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si votre contrôle technique il est pas OK, vous pouvez pas le passer à Dréal. Et comme nous on passe le contrôle technique le même jour que la Dréal, eh ben, il faut qu'il soit OK absolument. Allez, on se retrouve en bas. Bon, alors, que je vous montre les petites bricoles que j'ai à faire. Petites bricoles mais qui sont importantes pour la Dréal. Parce que sinon ça passe pas. Et j'ai reçu des choses aussi. Voilà. Là je pense que c'est mes petites ampoules pour le compteur. Donc en 24 volts, c'est des toutes petites ampoules qui font 1,2 watts. 1 watt 2. Je pense que c'est ça.
Normalement, ça devrait aller. Regardez, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ouais, ça a l'air d'être ça, j'espère. De toute façon, il n'y a pas 36 modèles, je pense. Vous avez vu? Petites ampoules comme ça. Et en fait, elles sont fixées dedans, donc on est obligé d'acheter des petits supports avec. Et ça, c'est pas évident à trouver, mine de rien. Donc j'en ai acheté 20, parce qu'il y en a pas mal qui sont cassés. Et j'ai un petit souci aussi avec mes boutons. Au niveau des tableaux de bord, c'est des petites LED qui sont incrustées dans le bouton. Et donc on peut pas changer les ampoules. Donc ça, c'est vraiment dommage. On est obligé de changer tout le bouton. Et là, pour le coup, je sais même pas si on peut encore en trouver les boutons, ces boutons-là. Donc, à voir. Bon, c'est pas super important, vous allez me dire, pour l'instant. Mais je sais que le compteur, j'ai le compteur de vitesse qui est plus éclairé. Il y a pas mal de petites jauges qui sont plus éclairées. Donc ça, j'aime bien quand tout est bien éclairé. Au moins, c'est plus sécurisant. Voilà, donc ça, c'est à monter, mais pas tout de suite. C'est pas super important. Oui, donc du coup, je vais finir là-dessus. On a posé le bandeau et puis ensuite, ça faisait tout sale. Il y avait des traces de colle ici. Donc j'ai décollé, j'avais plus l'acétone. Donc j'ai fait ça avec du diluant. Ça fonctionnait pas trop mal. Et donc du coup on a dit tiens, faut qu'on aille acheter de l'acétone, tout ça. On a acheté de l'acétone et du coup j'ai trouvé ce produit là. C'est Solvapin, enfin bref, hein, c'est, voilà, je fais pas de la pub, mais on m'a demandé pas mal en commentaire ce que j'avais utilisé, surtout sur Instagram, on m'a demandé qu'est-ce que tu as utilisé. C'est un produit en fait pour nettoyer les pinceaux, vous savez, qui sont tout secs et où il y a encore de la peinture. Donc je me suis dit, si ça arrive à nettoyer de la peinture sur un pinceau qui est tout sec, à mon avis ça doit être puissant. Et donc voilà, ils disent bien que c'est un truc hyper puissant. Donc j'ai essayé sur la colle des stickers. Oh là là, comment ça marche super bien. Donc faut quand même frotter, hein. De toute façon, je pense qu'il y aura toujours besoin de frotter. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Ensuite, j'ai poliché derrière avec ce petit produit que j'ai acheté Action. C'est marqué nettoyant carrosserie pour les peintures ternies. Donc c'est un petit pot en fer. Vous frottez, c'est un peu marron, ça sent pas bon, ça sent un peu l'ammoniaque. Donc vous frottez, ça fait marron, circulaire comme ça, ça efface toutes les petites rayures. Et puis ensuite, vous venez finir, une fois que c'est sec, avec un chiffon doux. Et j'ai réussi à faire tout le devant, regardez. Donc je pense que c'est pas mal, franchement, c'est bien, mais ça fait du taf. Là, j'ai mis peut-être environ une heure et demie, pour faire juste la face avant. Et à mon avis, quand il va y avoir les côtés à faire, bon, ça va, ça s'en va bien sur le caoutchouc, regardez, vous voyez, ça finit en poussière. Donc à voir. J'aimerais bien qu'il soit propre pour le salon du véhicule de loisir. Comme il ne sera pas repeint, mais au moins il sera propre. Ensuite, il faut que je fasse des petits loquets pour mes meubles pour éviter qu'ils s'ouvrent quand on roule. Voilà. Je vais vous faire voir ce que je voulais, que j'avais pas trouvé au début, mais que j'ai réussi à trouver. Et je dois mettre plusieurs systèmes parce que c'est assez complexe comment nos meubles ils sont posés et on ne peut pas mettre le même système partout. Donc normalement il y aura quasiment trois systèmes en fait. C'est un truc de fou. Regardez, moi à la base je cherchais ça. Je cherchais ça et sur Flash on avait ça. Donc c'était pas mal mais je ne peux pas les mettre partout non plus. Et ceux-là je les trouvais beaucoup plus costauds parce que là on a des meubles qui sont beaucoup plus gros. Donc il fallait quelque chose de plus costaud. Ensuite on va être obligé de mettre des petits trucs comme ça. Vous savez c'est un petit truc, on serre, clac. Et puis ça nous permet de verrouiller en fait. Donc j'ai tout ça à monter. Là, ça fait 3 voire 4 systèmes différents pour bloquer les tiroirs. Donc bon bah voilà c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai reçu aussi petite boîte à fusibles. Voyez. Avec 5 compartiments. Ça va être pour protéger mon Webasto. Ça va être pour protéger aussi la jauge. Elle n'a pas de fusible. Voilà, donc et puis c'est du 12 et ça me permettra, parce que j'ai un autre petit transfo 12-24, et ça me permettra en fait de protéger mes éléments que je dois alimenter en 12, quoi, tout simplement. Je vais aller faire mes fixations de meubles. J'espère que je ne vais pas déranger les enfants, parce que ça y est, c'est la rentrée, c'est leur tout premier jour d'école. Et là, on a changé vraiment tout le système, on a tout changé ce qu'on faisait d'habitude. Et on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo, jeudi. Ça va être une vidéo spéciale IEF, EAD. Je sais que ça vous intéresse énormément, vous m'avez posé énormément de questions là-dessus. Donc on voit tout ça jeudi matin. Je vous en dis pas plus, voilà, il y a tout qui a changé, il y a des choses nouvelles. Et là, ils sont en train de voir tout ça avec Charlotte, la mise en place pour les nouveaux cours, parce que ça y est, c'est la rentrée. Allez, on se met au boulot! Regardez ce que j'ai fait pour pas que les pots, les boîtes de conserve, elles tombent. J'ai mis des petits élastiques. Regardez. Hop là! Vous avez vu? Ça tombe pas. On peut même faire du flipper avec. Non, mais ça va pas bouger autant. Mais
Vous avez été nombreux aussi à nous dire oui, tu vas faire comment pour tes portes, ceci, cela en haut. Vous savez, un bus, ça bouge pas autant qu'une voiture ou qu'un camping-car, en fait. C'est vraiment mou, hein. Donc on n'a pas des gros virages où on y va tout doucement. Et on roule pas aussi vite. Et on roule pas très très vite, à part juste on saute les deux dânes, mais c'est tout. Non, non, franchement, c'est sur coussin d'air, c'est vraiment très très souple. Vous pouvez laisser un truc sur le plan de travail, normalement, si vous roulez bien, ça bouge pas. Mais bon, je sécurise quand même au cas où. Et bah voilà, j'ai fait ça. Donc là, ici, c'est tout ce qui est sec. Hein. Vous nous avez dit aussi, oui, t'as tes tuyaux de chauffage derrière, ça va chauffer ton meuble. Je sais pas. Je pense que la chaleur, elle va monter. Ça va sûrement chauffer un petit peu les meubles. Et ici, voilà, c'est les boîtes de conserve et on a beaucoup de sec. Vous savez, la semoule, les pâtes, enfin le riz, tout ça. Donc normalement, ça devrait aller. Mais j'ai quand même fait ça pour sécuriser un peu. Donc là, je vais remettre ma planche. Et après, je vous fais voir tous les petits crochets. Ça y est, c'est fini. J'ai installé tous les petits crochets pour éviter que ça tombe. Et ça va, ça s'est plutôt bien fait. Je vous montre ça tout de suite après. Faut que je mette mes boutons aussi, regardez. Hop. Donc faut que je découpe toutes les petites vis et ça, ça prend un petit peu de temps. T'as dit quoi, Julia? Ça pue. Non, on dit ça sent mauvais. On dit pas ça pue. Ça sent mauvais. Alors Lucie, ça s'est passé comment ta rentrée? Blanc. Blanc. C'est bien. Ouais, c'était cool. J'ai bien aimé. Ouais. Par PC qu'on doit faire, mais un peu décrit sur les feuilles, et puis après tu nous envoies à la vraie école et tu corriges en fait. Ah d'accord, ok. Bon, Théo, ça s'est passé un peu moins bien. Ça ira mieux demain, on espère. Hein? On sera mieux en forme. Et là, du coup, Lucie fait son rôle de future femme. Non, non, je rigole, non, je rigole. Je rigole, attention à ce que j'ai dit. C'était une blague. C'est une blague. Hein? T'aimes bien faire la vaisselle quand même. Pourquoi? Parce que t'es une femme. Rigole, je rigole, humour encore une fois. Stop, j'arrête, allez, j'arrête les blagues. Hein? Bon, regardez, j'ai fait mes petits boutons. Attends, Loulou, tu vas tout me perdre. J'ai fait mes petits boutons. Et elle était en train de se sauver. Viens ici, toi. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Non, 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 Loulou, t'es en train de tout me perdre. Regarde. Ah. Oh. Non, 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 touche pas à ça. Laisse-moi ça. Doudjou. Alors, ça, faut le mettre à la poubelle. On n'y touche pas. Laisse ça, papa. Voilà. Regarde, en plus, il y a un cutter. Il y a un cutter. Julia va vous faire voir les petits crochets. Ouais. Alors, tu nous fais voir ce que papa, il a monté comme crochet. Là, c'est en mode fermé. Alors, je vais vous montrer, c'est en mode fermé. Là. Fais comme si tu parlais, oui. Et là, c'est le crochet du milieu. Et pour en bas... Et pour en bas, nous avons fait un autre système. Ouvert. Fermé. Voilà les bandits. L'autre, c'est pareil. Ok. Ici. Ouvert, fermé. Je vais vous faire voir l'autre. Voilà. T'en as oublié un ? Le petit qui est caché à la machine à laver. Attends, je tourne. Voilà. Là-bas. Là-bas. Attends, faut que les bandits voient. Ils voient. Regarde, fais voir aux bandits. Pousse-toi un petit peu. Voilà, fais voir. Vas-y, fais-le avec ta main. Hop. Ok. Et comme ça, les meubles, ils se... ouvrent. Voilà, ils se ferment, ouvrent. Et ils s'ouvrent pas quand on... Non, quand on roule. Voilà. Et Chouchou, elle est en train de faire son petit meuble de cuisine. Et moi, je suis en train de faire la vaisselle. Et tu cherches des... Eh ouais, des toilettes, excuse-moi. Et tu cherches des vis. Ouais, je prends lesquelles, celles-ci? Non, les toutes petites que je t'ai montrées tout à l'heure. J'ai déjà oublié. Celle-ci, ah, en bas à gauche. Là, je la cherchais. Voilà. Tu nous montres? Des graisses, celle-là. Ouais. Ah. Tu nous montres? Et je suis en train de prendre tous mes outils parce que Jérémy, il me change mes mèches. Non, 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 machin. Du coup, je suis tout le temps en train de courir après tout. C'est cet embout-là? Ouais. Ah, j'ai la vieille chanson de Tchoupi dans la tête. Ta vieille chanson de Tchoupi, ça fait quoi déjà? Alors donc, nous avons fait un petit meuble. Enfin, Charlotte est en train de construire un petit meuble. Toute seule. Quasiment. Pour mettre les rouleaux de papier toilette. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la technique pour s'essuyer avec les coquillages. Alors du coup, on fait ça au papier à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, non. Les coquillages, c'est plus ancien. Elle a fait une petite planche, voyez. Vas-y, montre-moi, s'il te plaît.
Le papier peint. Bah si, je vais le mettre. Là, je m'en veux, purée. T'as fait un coup dedans? Non. Non. Donc là, j'ai fait des petits traits. Ah. Ici, là, là, pour que ça soit bien droit, justement, pour mettre ma petite étagère bien droite. Ouais. J'ai tout limé au bout là-bas pour que ça soit bien, pour que ça soit bien rond. Pour que ça rentre pile poil dans mes... Dans tes petits traits. Et ensuite, il y aura deux petites portes coulissantes en haut. Noir, voilà, avec le polypropylène. Et ça devrait être pas mal. On l'a fait un peu haut pour pas qu'on se cogne dedans et un petit peu en retrait. Il fait 25 cm. Bon, il fait 25 sur 25 sur 80 de large à peu près. La bombe, il y en aura parce que quand. Oui, enfin. Tu comprenais quoi. Non, surtout c'est toi. Plus toi. Non, c'est toi aussi. Non, c'est toi. Ouais, je c'est dis, ça. C'est plus les deux gars, franchement. Ouais, je sais, c'est pas très reluisant comme fin de vidéo, mais bon, vous savez. Ah, même bah si ça nous fait sommes, partie du quotidien. Même hein. Si nous sommes des stars, ça ne sent pas bon. Ah, il faut que j'arrête de dire les stars. Ouais, ok. Donc, du coup, je vous avouerai que nous avons un petit peu la pression. Parce que mardi prochain, si je ne me trompe pas, mercredi prochain, contrôle technique. Dréal, 7h30. Voilà, et je peux vous dire que quand ça sera fini. On va souffler, mais je me demande comment je vais trouver de la motivation. Déjà que j'en ai perdu un tout petit peu de motivation, moi c'est normal, on arrive à la fin, on a forcément un peu moins de motivation, quoi. Donc, mais ça va le faire. Hein, t'as vu, c'est pas évident là. On arrive, on a envie de dormir le matin, c'est retombé d'un coup. Et depuis Caligaz. Depuis Caligaz et qu'on a déposé le dossier. Voilà, on a eu un gros coup de relâchement et voilà. On n'a pas eu de nouvelles du monsieur de l'Adréal, c'est de bon signe. Mais il faut qu'il nous envoie le papier parce qu'il faut qu'il nous envoie le papier pour qu'on puisse aller là-bas. Ouais. Sans ce papier-là, on ne peut pas le passer au contrôle technique. C'est ça. Voilà. On vous laisse. On est confiant. On est confiant. On est moins motivé qu'avant, mais on est content. Bah, parce que ça veut dire que ça sent la fin. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. On vous embrasse. On vous aime. Bye bye. On vous aime. Et on vous dit à jeudi 13h pour une vidéo spéciale IEF EAD, instructions en famille, interro. Et à dimanche pour un super live tout en douceur. Ça va bien se passer. J'ai fait un travail sur moi-même et je pense que je vais réussir à ne plus trop crier sur les lives. Rien que pour vous faire plaisir. Je peux changer ma voix, mais je pourrais pas changer ma personnalité, désolé. Ah, allez, j'ai des trucs à faire moi. Gros bisous à jeudi. Bye bye. Bisous. Copiage. Excellent. Oh, j'avais oublié de vous dire, regardez. J'ai passé quasiment la journée à faire ça. Franchement, c'était galère. À refaire toutes les ceintures de sécurité. Il y en a une qui était craquée, celle côté passager, donc sur le siège de Charlotte. Et hop, mise au point. Et la mienne était super dure. Et regardez maintenant. Regardez. C'est nickel et en fait elle était à l'envers. Elle était complètement comme ça donc c'était pas pratique. Je pense que c'est parce que ça a été démonté et ils ont dû les changer. Donc j'avais récupéré sur un vieux scénic qu'on avait envoyé à la casse. J'avais récupéré les ceintures de sécurité que j'ai bien gardées. Vous voyez, je suis super content. Ça marche nickel. On a fait pareil ici. Elle avait un trou. Voilà. Et j'ai refait toutes celles-là. Elles étaient toutes dures donc j'ai dû limer un petit peu le plastique. Qu'il y a sur la ceinture, c'est un plastique qui sert de cache, qui avait du gonflé avec le temps, je n'en sais rien du tout. Et pareil, les enfants, ils n'arrivaient pas, c'était super dur. Donc du coup, bah c'est pareil, celles-là sont refaites, regardez. Faire une petite démonstration. Hop, vous avez vu? C'est nickel, ça couille, j'ai tout graissé les petits moteurs avec là où il y a l'enrouleur, tout ça. Et bah ça m'a pris énormément de temps, mais voilà, je sais que ça, ils rigolent pas avec la sécurité, les contrôles techniques. Donc du coup, absolument. Il fallait que ce soit bon. Voilà, je voulais juste vous dire que j'avais fait ça aussi, parce que c'est quelque chose de super important.